Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacques Belizier. Un plaisir, une autre fois encore pour entrer la KO. Pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne, nous retournons dans Studio 4. Ça fait nous plaisir. Quelques grands points cap dominé. Actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, jeudi mardi 3 septembre, dans unité lutte. Et puis parmi les grands points qui ont dominé l'actualité, il y a gagné Washington qui saisit un avion président vénézuélien Nicolas Maduro et Caracas dénoncé action Silla. C'est point ça. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Mais l'actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté jeudi mardi 3 septembre, dans l'unité lutte contre corruption ULCC, remettre officiellement rapport avec requête de justice. Et d'après rapport ça, gagné ancien fonctionnaire ou bien actuel fonctionnaire qui t'a dû ou bien paraître devant la justice ou bien subi arrestation. Nous allons rejoindre Steven depuis Port-au-Prince. LCC qui a pris 8 septembre 2024 là, directeur bureau Hans Ludwig Joseph t'est présenté par la presse 7 rapports enquête sur réalisé dans dernier moment ça yo. Rapport ça fait sous quelques anciens diplomates, anciens ministres et directeurs tant qu'au Aviol Fleurant, Marianta Mironi, Fanez Laguerre et Jean-Philippe Ricardo pour ne citer ça seulement. Ces dossiers concernent des anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Ces personnalités ont trahi leur pays en portant atteinte à la probité, en commettant des crimes financiers et des infractions de corruption. Ces infractions, bien identifiées et rigoureusement documentées, sont entre autres des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La remise de cet énième lot de rapports met à 94 le nombre de dossiers transmis par l'ULCC à la justice depuis son existence en 2004. De ces 94, mon administration en a transmis 49, soit plus de 50%. Ces rapports soutenus par une documentation scientifique attendent encore, pour la très grande majorité, les verdicts des cours et tribunaux du pays. Directeur ULCC a fait connait sous tout dossier ou mené enquête yo, l'État a perdu plus de 614 millions de gourdes, un chiffre qui dépassait largement budget ULCC qui a lutté contre corruption. Moi, c'est Steven Aristil, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Donc, c'est un dossier déjà qui crée un pile sensation, côté que, eh ben, un pile ancien et fonctionnaire, eh ben, qui ont même qui impliqué jusque dans le coup dans la question corruption, n'a guère pour nous joindre chercher réaction sous et rapport si là que ULCC remet Jodia et ses plus gros points dans l'actualité dans le pays d'Haïti. L'autre point encore, c'est hier, c'était présentation porte-parole la mairie d'Haïti avec mission multinationale soutien pour sécurité en Haïti. Porte-parole police nationale là, Michael Ange et lui jeune, eh ben, lui fait annonce là hier lundi pendant les bails quelques informations sur opération contre gang armé. Yves Manuel.
Lundi 2 septembre 2024, là, pendant une conférence pour la presse, dans la salle conférence Direction Générale Police Nationale d'Haïtien, dans Klessin, commune Tabac, commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole Police Nationale d'Haïtien, officiellement présenté nouveau porte-parole Mission Multinationale Soutien et Sécurité à Force l'armée pays d'Haïti. Pendant le temps profité, occasion, porte-parole PNH Land, bail information détaillée sous opération Force l'audio a mené notamment dans quartier Belay, Solino et Delma 2. Population doit connaître jusqu'à date, opération a bien avancé. D'abord, Force de l'ordre fait un usage adéquat à sauver de l'ensemble de matériel qui implique la opération ça. C'est comme ça. Il est arrivé libérer plusieurs espaces que la population n'a pas bien accès. Ils ont parti dans le Fort National plus ou moins libéré, Badelma, côté circulation plus ou moins à comprendre, et que mon véhicule capable de circuler, donc nous capable de remarquer ça. Plusieurs bandits sont arrivés à stopper. Ou bien continuer à stopper puisque l'opération va continuer. Avant déploiement, agent yo sous terrain, directeur général AI Police Nationale d'Haïtien, Nomil Rameau, organisé une séance motivation pour troupes liyo. Li salue bravo avec dévouement policier qui engagé dans diverses opérations qui visaient démanteler groupes criminels qui ont problème dans la société. Autorité la police yo fait qu'on est. Opération Sayo qui initiée depuis semaine qui s'est passée là dans centre-ville Port-au-Prince après cas possible dans l'idée pour permettre à la population vaquer librement à occupation. On c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour Véroa Créole. Merci Yves Manuel. Toujours concernant pays d'Haïti, Université Kiskeya a soutien plusieurs lots à travers yon décision yon adopté dans l'occasion Journée Nationale Haïtienne Éducation sous changement climatique yon. Et bien souhaité que l'État haïtien mande Nations Unies dans la prochaine Assemblée Générale là qui est fixée pour très bientôt. Et bien pour déclarer date 1er septembre comme Journée Nationale Haïtienne Éducation au changement climatique. Bonne à tous. Grâce à soutien USAID, Union Européenne, Kansas State University, NUD et divers autres, Université Kiskeya commémoré lundi 2 septembre 2024 l'an, Journée Nationale Haïtienne Éducation qui gère rapport à changement climatique pour voir comment yo capable porter apport éducation dans atténuation impact changement climatique en Haïti, une journée qui déroulée sous thème changement climatique yo ak espace haïtien un jeu avec perspective. Madame Raymond Raymond qui travaille sous concept diplomatie scientifique, science policy et interface sous question science société qui gagne rapport avec changement climatique, plus précisément pour Haïti, a parlé non des impacts. Toujours gagne un peu d'inondation et après chaque problème qui gagne non effet changement climatique là que nous subissons, nous ouais comme si nous mêmes population côté que gagne un pile mort, côté que gagne un pile monde qui vient sans abri, gagne un pile maladie qui vient à propager et puis gagne un pile monde qui mourit. Madame Raymond Abdinoutou, qui ça l'État a dû faire par rapport à une telle situation? C'est pour l'État lui-même qui investit dans la science parce que c'est la science qui a nous des données. Côté que universitaires, les chercheurs, ils peuvent chercher des données, ils peuvent faire des observations, des études de terrain pour comprendre ce qu'est le changement climatique, là, pour comprendre l'impact du changement climatique là, et qui ça, qui répercussion tout événement extrême qui a sous population. Dans la clôture journée, organisateurs à travers un colloque, signer une déclaration baptisée déclaration Tiujo pour proposer autorité l'État haïtien adopter date 1er septembre comme journée nationale haïtienne éducation au changement climatique a demandé ministère éducation nationale ak formation professionnelle inscrit journée ça dans agenda national là pendant la notifier communauté internationale là dans action citoyenne ça ak national là dans lutte contre réchauffement climatique là d'après vice doyen recherche et innovation université Kiskeya professeur Evans Emmanuel l'état haïtien
pour non seulement intégrer dans l'agenda national PIA, mais également faire promotion auprès de partenaires internationaux. Job tout scientifique, c'est conseiller l'État à partir de résultats travaillés. Donc, sur base de résultats travaillés, l'État lui-même, il voit que la politique publique a amélioré et adapté. Et c'est sous base ça, dans la discussion avec partenaires internationaux, il va jouer un financement. C'est un dossier que nous avons suivi, Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, Abdou pas déplacé ou souvé ou akreol, observé au programme dans langue créole haïtien. Actualité internationale là, nan yon ti moment. Nous t'es content de ce que vous t'es branché dans l'occasion programme spécial que nous t'es gagné hier dans l'occasion les bordels là jour du travail ici aux États-Unis. Nous connaissons chaque le gagnant bagay qui spécial, et ben nous même tout nous offrir un bagay qui spécial. Et actualité internationale, la guerre, la Russie Ukraine, l'armée russe là mené un paquet et attaque éphraïque en d'un pays à sous l'hôpital, l'école, à quelques institutions communication, côté plus passé 50 moun t'a perdu la vie. Gentil Augustin Junior, gain détail. Nan youn atak ki touye plis moun nan la gè ant la Risi ak Ukraine nan, au moins 51 moun mouri et plis pase 200 lot blessé jodi madi 3 septembre 2024 la. La Risi lance yon atak misil sou Kiev nan premier jou l'année l'école la. Et explosion te souke bien fort kapital Ukraine la. Oksana Agunova, yon élève 18 l'année dit. Li tellement bay problème que voisin nou yo continue ap di attaque yo ap frappé infrastructure militaire yo. Yo frappé l'hôpital pou ti moun Hokmadi et puis yo di te gen soldat nan espace là. Est-ce que gen soldat qui rete ici là? Est-ce que ça c'est yon base militaire? Li très rase. Aviation militaire a détruit 22 nan 35 missiles yo ak 20 nan 23 drones ke Risi te lanse. Président Zelensky dit: avec drone pa nou ak misil nou yo, nou kapab akompli yon pati nan misyon yo. Men vre la paix a, yon fin reyèl nan la gè sa, se yon travay ki gen plizye aspè pou force la Risi fè la paix. Pou yo fini ak diskou malonèt sou chita pale yo. Pou yo pran mezi ki nesesè pou mete fin nan la gè ya. Débarrasse pays nous an ak okipasyon an et ak okipan yo. Et nous besoin tout instrument puissant. Mon remercie tout moun ki continue konvenk monde lan pou yo kampe diam et bout pou bout defèt la terre ris la. Bon kote pal, président Vladimir Poutine pendant yon voyage nan région Touva nan la Risi, di ke fòs ris yo repran kek kilomètre carré nan teritwa Donbas la et ke la Risi fin jere kesyon invasion fòs ukrainyen yo nan région Kursk la. Mwen certain que provocation ça pral échouer tout. Et moi pense que après ça, pral gagnon volonté réelle pour aller vrai chita parler pour la paix, pour résoudre problème ça yo nan moyen pacifique. Nous pas jamais rejeter ça. Mais tout, nous obligé faire face ak bandi sa yo qui t'est entré sous territoire Fédération Russe là. Yon l'autre côté, président Russe Vladimir Poutine qui gagnon mandat international contre lui. Voyager jodi mardi 3 septembre 2024 là pour yon chita parler ak Tokay li nan pays Mongoli Rugnahim Kurelshu nan Ulaanbaatar. N'a rappelé tout Ukraine te mande Mongoli semaine passée ya pour arrêter Poutine sou yon mandat tribunal criminel international là te mette derrière li l'année passée. Mandat ki akize Poutine pour crime la guerre nan soi-disant déportation illégale plusieurs centaines de moun Ukraine. Kremlin rejete accusation an, d'après ça li di gen yon motivation politique et dit tout li pa gen kè sote pour Poutine qui fait voyage là. D'après ça porte-parole tribunal CPIA di jodi madi a dans la presse, Union européenne critique Mongolie dès que li pa appliqué
mandat arrestation tribunal criminel international là contre président russe là Vladimir Poutine pendant visite li nan Mongolie. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Actualité dans la région Moyen-Orient, plusieurs milliers d'Israéliens descendent dans la rue Tel Aviv dans une grosse manifestation pour protester contre l'échec de l'armée israélienne de retourner aux otages qui sont dans Hamas, qui sont dans les militants Hamas dans Gaza. Valérie Saint-Louis, il y a un détail. Plusieurs milliers d'Israéliens ont envahi la rue Tel Aviv pour le deuxième jour consécutif dans Ariel Lundia. Pour exprimer la peine à colère après que ont été joints 6 autres otages mourir dans Gaza. La mort otage ça été la cause colère et frustration dans mitant israélien qui te fait gros manifestation ça dans Jérusalem à Tel Aviv depuis que nouvelle là t'est tombée. Et puis ont annoncé tout une grève générale hier lundi pour protester contre échec l'armée israélienne dans retourner otage que Hamas t'est kembé dans Gaza et qui t'est créé des autres à travers pays. Grève générale ça son bagage qui très rare dans pays Israël. Famille ak an pile moun te blâmé pour le ministre israélien Benjamin Netanyahu qui te promet que otage ta capable retourner vivant à travers une entente ak Hamas. Maya Oswa qui était dans manifestation te parlé comme ça pour le dire. They prefer to deal with Hamas. Gouvernement préféré négocier avec Hamas, bayo l'argent, bati tinèl yo et puis yo lage citoyen israélien qui paye taxes ici là, qui servi dans la mer, qui a travaillé dans jardin yo, qui a fait tout ça yo capable pour construire pays ça. Mais yo juste pas bay rien pour yo. Nous devons faire ça gouvernement pas capable faire, ça que yo pas voulu faire. Ortid Bartov qui lui-même tout a participé dans manifestation, t'es parlé. Finalement, nous ici là parce que 6 personnes qui étaient vivants et puis qui étaient si vives agonies, n'ont été en otage dans la captivité dans mes Hamas, t'es perdu la vie parce que le gouvernement n'a pas qu'à décider. Yo gen oublié slogan israélien qui c'est dépendance une pour l'autre et semblait pas gen personne qui coûte nous. Mais famille otage yo besoin si pour nous. Yo besoin qu'on ait que yo pas pour compte yo. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu te promet victoire totale sous Hamas. Et puis il blâme Hamas tout pour échec négociation yo qui te traîné pendant un pile d'un an ça. Hamas accusé Netanyahu comme quoi il traînait chita par les négociations yo et il te fait exigence mais des nouveaux revendications tant qu'au contrôle israélien sous deux corridors stratégiques dans Gaza. Peuple israélien dit que 6 otages yo te joignent yo mourir dans Gaza. Ils ont été tués par militants Hamas yo titan avant que force israélienne ait arrivé dans tunnel côté que ont été en otage. Ministère santé israélien t'a dit autopsie ont déterminé que otage ont été tiré à bout portant et puis ont été mouri jeudi au soir dans vendredi. Trois ans d'après ça yo rapporté t'es parmi moun qui t'es doué largué dans première phase proposition yo pour suspendre tiré que président Joe Biden t'a présenté en juillet passé. Hamas beaucoup de parle demandé yon fin dans la guerre, retrait complet force israélien yo et puis pour yon lagué yon gros quantité prisonniers palestiniens qui gen la dedans des militants très importants. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis, on dit toujours que dans pays Israël, bureau premier ministre Benjamin Netanyahu annoncé que l'armée Israël touye yon moun qui t'est participé yon militant Hamas qui t'est participé dans attaque qui t'est faite 7 octobre passé sous pays Israël. N'a pas dans pays Turquie côté 15 jeunes gens joignent arrestation yo dans pays après yo t'est attaqué deux matelots américains. Sandra Lemaire pour détail. Agence Nouvelle d'État, la Turquie, dit autorité a arrêté 15 membres d'un groupe jeunes gens anti-américains qui étaient attaqués et battent deux matelots américains dans la ville qui est Izmir. Agence Anadolu dit membres Union Jeunesse Turque joignent arrestation yo après yon avocat accusation te passé l'ordre pour faire ça un petit temps après attaque lundi. Groupe la mette yon vidéo incident sur réseau social X et yo dit yo te mette sac sous tête soldat yo qui te fait so débarqué dans pays ya dans bateau de guerre Force Navale États-Unis qui relé USS Wasp. Ambassade américaine dans la Turquie confirmé incident et puis dit soldats qui étaient à bord bateau USS Waspio sain et sauf kounia. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington.
Ici aux États-Unis, nous pral parler de actualité électorale à côté de démocrates et républicains exprimer qu'est-ce au théo et gagner sous intégrité élection année ça en parlant de élection 5 novembre 2024 là pendant que deux partis, deux principales partis, parti démocrate là avec parti républicain, ils ont même continué à mener campagne. Jean-Aubert Philippe. Démocrates ont accusé les républicains comme quoi ils ont cherché à limiter l'accès électeur dans le bureau de vote et qu'ils ont comploté pour gâter la certification résultat. Républicains suspectent avoir parti démocrate a fait changement dans bulletin vote par correspondance, a manipulé machine élection et puis kembe dans registre inscription yo électeur qui pas qualifié pour voter. Candidat parti républicain Donald Trump en bas accusation criminelle, peut-être l'il a fait tentative pour renverser résultat élection 2020 yo en faveur. Li dit I thought the election was a rigged election. Moins quoi te gen coquin dans élection, il était volé. Élection. Candidat parti démocrate là, vice-président Kamala Harris, accusé ancien président Trump comme quoi éliminer confiance publique là dans l'élection yo, pendant qu'il était pris engagement pour courir principe fondamental américain yo. From the rule of law, sauti to free and fair respecter la loi, organiser élection libre et honnête pour gagner un transfert pouvoir pacifique. Agence fédérale yo a fait exercice sous table côté yo pas oublier ça qui est passé 6 janvier 2021 les supporters de Donald Trump yo qui pas content pour défaite ancien président t'a attaqué Congrès. Question c'est est-ce que préparation ça yo a renforcé intégrité élection yo. C'est espoir supporter ta cou Céline Stewart qui c'est chef exécutif Ligue électeur femme yo, une organisation qui là depuis 104 l'année et il déclaré mon quoi nous devons fournir j'ai gardé tant pour nous ouais ça qui va le passer qui résultat élection qui gens population absentil est-ce que a gain protestation si a gain manifestation qui vire en violence espoir c'est que pas gain ça. Jusqu'à présent, année ça, pas de problème dans le système élection, d'après président commission assistance élection fédérale États-Unis, Ben Hovland. We've had a lot of primaries already, both the presidential. Nous déjà organisé plusieurs élections primaires présidentielles à Nessa. Élection primaire dans l'État, responsable élection, déjà fait en pile pratique pour qu'on y ait là. Et moi, quoi, n'avancer dans bonne direction, distance pour nous arriver dans le mois de novembre. Dans une dispense champagne dans l'État Illinois, responsable local parti républicain pour l'élection 2021, t'a essayé de faire un juge forcé greffier arrondissement Aaron Ammons suspendre compte bulletin qui vini par correspondance. Et responsable parti a démenti que l'été jamais fait ça. Et greffier a dit l'été réussi fin compte bulletin. Mais quand même, l'été essayé, même j'ai été essayé de faire l'autre côté dans le pays. Menaces, intimidation avec action en justice, te forcé en pile responsable élection démissionner ensemble avec volontaires dans tout pays. D'après Ammons qui déclaré, ça pas aidé élection. Li vraiment démoralisé moun kap fait travail ça, si n pas de gain support nous vraiment besoin pendant nous camper dans ligne de front pour démocratie. Li important pour inviter candidat yo, responsable parti yo avec public là pour observer opération système nan, d'après directeur bureau électoral arrondissement Saint-Louis dans état Missouri, Eric Fay. Steve Herman te prépare reportage ça pour sa nouvelle voix de l'Amérique là et moi-même Jean-Aubert Philippe te traduit et adapté pour VOA créole dans Washington DC. Merci Jean-Aubert Philippe. États-Unis saisit un avion Nicolas Maduro et puis un tribunal dans Venezuela mettait mandat d'arrestation derrière candidat opposition élection 28 juillet. Détail avec Serge François Michel. La justice en Venezuela mettait un mandat d'arrestation derrière Edmundo González Urrutia, candidat opposition qui fait quoi c'est lui-même qui gagne l'élection présidentielle 28 juillet, malgré résultat conseil électoral l'a dit. C'est président payant Nicolas Maduro qui sortit vainqueur à l'élection. Bureau commissaire gouvernement a annoncé lundi sur réseau social qu'il y a approuvé un mandat d'arrestation contre candidat opposition. Paquet a demandé un tribunal qui est spécialisé dans la question terroriste pour lancer mandat d'arrestation.
Note là écrit tribunal première instance by Lord pour arrêter Edmundo González Urrutia pour crime grave. Monsieur González Urrutia, qui gagne 75 ans, pas de répondre trois convocations tribunal dernière faite vendredi. Nous t'évelais tant délit et sous ça qui dit sous site web opposition, comme quoi c'est lui qui remportait la victoire dans l'élection présidentielle. Et en l'autre côté, lundi, il y a une déclaration au ministère des Affaires étrangères Venezuela accusé autorités américaines pour piraterie après Washington de décider saisir un avion président Nicolas Maduro. Dans une déclaration pour critiquer autorités américaines pour avion et saisir, Venezuela dénoncé devant la communauté internationale l'autorité États-Unis qui, en l'autre fois encore, la GECO dans une pratique criminelle qui fait plusieurs fois que nous avons seulement qualifié comme acte piraterie. Côté yo illégalement confisqué un avion, président République là, qu'on utilisait. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge François Michel. Takou, hier, nous avons gagné un programme spécial dans l'occasion de l'ébordé là. Pendant que, eh ben, yo, l'autre fois encore, année ça encore, fidèle à tradition, yo, eh ben, as haïtien, yo, t'es rassemblé dans Eastern Parkway pour célébrer ça, yo, les West Indies. Period. Eh ben, t'es gagné un groupe femme et Tony Mix ak équipe qui t'es parmi groupe musical haïtien qui t'es présent dans défilé traditionnel ça et nous t'es sous place. Glorieuse Nelson Abdi nous plus. Les bonnes parades l'ont déroulé aujourd'hui sur Winston Parkway dans Brooklyn côté un paquet de nations qui sorti dans Caraïbes en vient nous représenter dans ces cultures. Évidemment, nous même nous t'es là, nous portons accent sur participation haïtienne dans les bonnes là. Nous pour permettre de vivre qui j'en s'atteler avec jazz haïtien qui t'es là, t'es gain équipe, t'es gain Walk Farm, t'es gain Tony Mix qui t'es sous parcours là. Malgré groupe haïtien yo pa mette costume, même jan l'autre participant qui sorti dans l'autre nation dans Caraïbes l'en fait ça, compatriotes nou yo kwè que pa gen passé haïtien nan question les bordé sou Eastern Parkway. Ane sa fait moi 8 ans depuis m'a participé dans les bordé et m'capable di haïtien c'est nous même qui toujours chauffé parkway a. Pa gen l'autre culture qui capable faire ça nous remettre sur parkway a. Nous avons Tony Mix qui était en performance au pair. Nous avons une équipe avec nos femmes. Nous croisons avec plusieurs nouveaux migrants sur le parcours. Comme ça, tout, il y a des Haïtiens qui sont dans diverses autres villes à Krakow dans les États-Unis pour capables de participer dans les bordels. Moi très satisfait. Ça c'est première fois que je viens dans les bordés. Moi sorti juste Houston pour que moi viens dans les bordés. Oh moi très satisfait. Et que même là t'es gonti poussé. Moi sorti Haïti. C'est comme si m'étais Haïti. Oh moi dans ces courts moi. Oh I did enjoy. I enjoy everything. M'étais vraiment misli. Oh bah viens sous parcours là. C'est m'étais comparé. M'étais posé tout comme un qui gagne. Et puis yeah moi très satisfait. Tony Mix pour bon bagaille et équipe même c'est pas parler Walk Farm tout jazz yonet était bien joué. Si quelqu'un monde qui dit satisfait de performance différents musiciens haïtiens non parcours les bordé là ça malheureusement c'est pas tout qui rivait passer devant stand Jujo équipe pas arrivé passer même si li baye moun yo pile compas avant d'arriver devant stand là. Moi, elle est glorieuse Nelson pour VOA Creole depuis Brooklyn, New York. Merci glorieuse Nelson, c'est Fondi Sété qui équipe solide Lactamba, Valérie Saint-Louis, Fred Kaimit, Jean-Marc Hervé Abela, Gentil Augustin Junior, et ben tout tes débarqué en bas, et ben nous c'est VOA.
c'est nous qui a fait ça. Yon l'autre fois encore, nous t'es présent dans Eastern Parkway pour go et festival ça. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, on a dit que Tabou Combo, eh ben, il recevoir, eh ben, distinction encore pendant semaine qui se passe là. Nous dit bravo Tabou Combo et nous dit tout le monde qui t'est participé dans le premier programme. Non, merci. Nous, Abdel Rahman, merci en pile. Et Chang Wang, bon ami nous, nous dit merci en pile. Jean-Marc Hervé Abela, chef pupitre là. Et puis, nous dit, n'a pas cassé rendez-vous pour demain. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir. L.R. Solino, et nous qu'a dit que situation a progressé. L'en dit que la progressé, ça veut dire que la police continue jusqu'à moment la parler en là. La police pas campé sous modèle opération que l'a mené. La police, l'armée, et puis officier kenyan. Monsieur ou pas campé sous opération qui a mené. Et pour la police a été clairement dit, nan point de presque le bail lundi 2 septembre 2024 non. Monsieur Louis Jeune, pour me dire bien Michel-Ange Louis Jeune. Eh bien monsieur clairement dit que la police a progressé et la police présent dans Badelma. Et que on ensemble et parce que la police libérée qui était en bas griffe bandi armé yo. Pour me répéter Michel-Ange Louis Jeune. Gen ensemble de zones, ou ensemble de espaces, ou ensemble de périmètres que bandi yo cap opérer dans Badelma, cap opérer dans Bel Air, eh bien la police gèt a commencé repren contrôle espace sa yo selon Michel-Ange Louis Jeune. Par exemple, si nous prenons l'école Paul Lochard, c'est un espace côté que bandi yo te fait le servir comme base yo. Eh bien, nous connaissons bien. Dans ma dictée samedi, après-midi 31 d'août, la police te mette pied la tête dans la zone ça. Et m'a nous menti, plusieurs résumés bandi te tombé. Et tout cas, matin, mardi 3 septembre 2024, là, n'apprenne que encore dans Delma 24, dans Delma 18, dans Solino, la police, l'armée d'Haïti, ils ont continué présent et à mener opération. Gen pile vidéo, en pile image qui a vint joindre moi. Et moi certain que en pile dans nous, nous avons image ça autour. En pile dans nous, nous avons vidéo ça autour. OK? Mais m'a regardé plusieurs jeunes garçons bien portants qui ben dans sang yo. Et dès que tombé dans boucanté coup de zam avec force de l'audio. M'a regardé des séries de zam, valise, cartouche que la police a récupéré dans moment là. Dans quatre opérations qui a mené dans niveau Badelma. Est-ce que barbecue a pris un coup sérieusement? N'a dit selon sa image je montre nous. Selon sa vidéo a montré nous. Barbecue Kempes comme ces deux nèg qui ça s'est contrôlé Badelma ak Bel Air nèg yo a pris un coup sérieusement. Les gars prend coup sérieusement. Et ouais, barbecue. Faut le dire capé Goumelier. Monsieur j'ai barbecue te kondi, c'est campé Goumen que lié, pas vrai? Mais barbecue pas campé Goumen dans moment. Barbecue ken connecté qu'on a dit, c'est campé Goumen que lié hein. Dans moment barbecue tourné, yon pasteur, yon prêtre catholique. C'est prier la voye bay moun. Prier les en difficulté, prier le besoin si, ou faire le matin, ou faire le soir. C'est ça barbecue a fait là. La cité de prière évangélique. Des prières spirituelles. Est-ce que barbecue voulait répondre? Est-ce que barbecue, après autant de crimes qu'elle fait dans Badelma, après autant de dégâts qu'elle posait sur Moun Solino, Moun Delma 24, Moun Avenue Pouplard, Moun
Oui, et Babelair, est-ce que barbecue voulait repentir? Est-ce que vivre ensemble, comme barbecue toujours dit, et il se porte-parole et président, vivre ensemble en même temps, ok? Lycée porte-parole et président vivent ensemble en même temps. Et bien ça veut dire, si barbecue parle, est-ce que barbecue parle, non, vivent ensemble? Est-ce que prier barbecue a fait yo? Est-ce que le fait ou non, vivent ensemble? Ok? Ok? Est-ce que le fait yo, non, vivent ensemble? Est-ce que le faire pour vivre ensemble? C'est des questions à poser. Mais je dis, hein, mon capable ouais que discours barbecue t'es gagné. Parce que elle parle plus. C'est elle parle plus, nous ouais ça. D'ailleurs, le moment mon qui parle plus c'est barbecue, c'est l'homme sans joue. Bon, c'est est-il là puis commence à parler là tout. Après ça Jeff Canard, mais barbecue pas tellement parlé. C'est parce que chaque jour, barbecue font 10 vidéos, ils mettent dehors. Et il y a des gens qui même qualifié de diversion. 10 vidéos, ça yo, que barbecue a mettent dehors. Il y a des gens qui même qualifié de diversion. Les qui l'ont cité de nom, et tel terre, et pour tel bagaille, pour tel. Il y a des gens qui comprennent la carte barbecue, monsieur a fait une diversion dans le moment. Et, moun yo mande, avec autorité yo moun yo mandé avec dirigeant yo pour yo pas prendre en diversion barbecue. Yeah, moun yo mandé peuple haïtien pas prendre en diversion barbecue, pas prendre là-dedans, pas entrer là-dedans. Et tout bandi armé nan moment kap fè vidéo kap parler et yo te mette viv ensemble camper parce que pas de blessi, yo pas de blessa, et je dis hein, l'état responsable, l'état si, l'état ça, mais en pile moun a dit avec autorité yo pour yo pas prendre nan diversion que monsieur a fait là pour ta détourner attention force de l'audio sous opération qui a mené nan niveau Badelma Bel et Solino. Et ça que m'gen comme information, ça que je viens comme information que barbecue, ok, ok, ça que je viens comme information que focus où est que autorité yo, focus que où est que force de l'audio mettez sous Badelma, c'est parce que yo dit yo barbecue alias, alors Jimmy Cherizier alias barbecue, monsieur c'est élément qui plus fragile en dedans vivre ensemble. Alors Léo dit monsieur c'est élément qui plus fragile en dedans vivre ensemble, non, je voulais dire que Jimmy Cherizier alias barbecue, monsieur c'est un nèg qui passait 14 ans dans la police, non, et son nèg qui a une capacité en matière de question sécurité qui est je dis hein, yo obligé mettre focus sur Badelma et il a fini résoudre Badelma, il a nettoyé Badelma, il a nettoyé Bel Air, il a nettoyé Badelma, il a nettoyé Bel Air. Et la police a tabi basli. L'armée a tabi basli. Pour permettre que la vie retourne comme ça droit dans zone sa yo. La police, l'État, y a rétabli basio. Jean que PM nan te dit, kay en kay, quartier en quartier et ville en ville. Et c'est ça que force de l'audio, yo même y a fait là. C'est ça que dirigeant yo a fait là. Et qu'il y a une mobilisation, qu'il y a une motivation, qu'il y a une mobilisation, qu'il y a une motivation qui kembe la caille
force de l'ordre nous pour me parler de la police, l'armée et officier kenyan yo. Ça fait Michel-Ange le jeune par mes yeux professionnels li pa bay chif nan kadre opération k'ap mené yo. Li pa bay chif. Li parle de plusieurs mandats tombés et plusieurs âmes qui saisi. Li pa bay chif. Parce que yo vle éviter question chiffre. Yo vle éviter ça. Parce que nous changé récemment. OK? Nous changé récemment les que DG la police non. Qui c'est Ramon Normil. Ouais. Les que t'es dit 204 bandits mouri et 19 âmes saisies. Ça te fait pile parler en pile. Mais en pile moun te essaye parler et comprendre de Ramon Normil. Et te essaye comprendre tout. Yo te essaye comprendre chaîne commande la police là. Je te dis yo éviter by chiffre. Éviter by chiffre sauf que travail. Depuis le travail peuple a témoigné pour nous. Et ouais depuis mardi 27 août que force de l'audio yo neutralisé. Moi me dis moi comme ça. Yo neutralisé un ensemble de espace. Yo neutralisé un ensemble de espace dans Badelma, dans Solino. Jodi an, ou après ces mêmes populations qui a fait des témoignages, qui a applaudi, qui a félicité la police là, force de l'audio. Et yon même à l'épine pour yon dit, pour la société civile, pour dire que ça yon ouè que force de l'audio a fait en bas, si yon kembe ça pendant une quinzaine de jours, pardon, et même presque pendant un mois, yon a résout problème badelman. Et baba non menti, jeune garçon mauvais affaire, apprend coup de bois sérieux dans le moment là. Yeah! Nèg yon a tombé sérieux dans le moment. Les gars tombent sérieux dans le moment. Malgré la stratégie que les bandits ont utilisé dans le moment, qui nous connaît. Les gars, les gens qui sont obligés de quitter la caillou pour que les gars ne patrouillent pas, ne fassent pas toute vie action sur eux. Les gars qui sont dans la caillou, ils apprennent des objets qui sont capables, et comment, flammables, qui sont capables de mettre édifiés. Et ils prennent des objets, ils utilisent, puis ils ont un piège pour blender. J'ai qu'une table cadre récemment dans une vidéo. OK. Nous table cadre récemment dans une vidéo. OK. Yeah. OK. Nous table cadre récemment dans une vidéo. Comment que Nekio Bandio a bien dit théoricio. On est le théoriste parce que action n'est qu'à poser aujourd'hui, hein? C'est de action théoriste. OK? Eh bien, nous avons essayé de garder pour nous qui gens que Negio, Bandio, théoricio, Negio, la guédifé, son chat blindé. Mais heureusement, selon ça que nous avons gardé et selon tout le monde, dans la vidéo, yo, c'est un chat qui est un chat MRAP. Yo. C'est un chat et anti-émeute. Malgré dit faire tomber sous lit, il n'est pas breeding. Et nous te voyons que un dit agent soit qui était en dedans blindé ça. Jean n'est qui était confiant, n'est qui était serein, n'est qui était confiant, n'est qui était serein, n'est qui était confiant. Et ouais que il t'a mené opération. Et vous avez vu les balles.
Je dis, moi toujours dis que c'est pas par violence pour résoudre ça qui est là comme problème. Parce que violence pas fait sens. Violence pas solution. Il pas solution durable. Il pas solution définitive. Mais ça n'est là comme situation. Ça n'est là comme réalité. Ni mérité que réponse qu'a bail. Ni son réponse qui répond avec action ça. Oui. Ça que n'a vive là comme situation. Ça que n'a vive là comme réalité. Li mérite que c'est une réponse qui approprié avec lui qui obligé bail parce que moun yo pas capable encore moun yo a pout avec sa gen là. OK et où est ça qui passé n'a craint que pendant que la police aptan mes opérations plusieurs côtés ou tande que nan ri Nicolas nan ba pet chose l'aime dire Nicolas Maclo Ambroise Riel Camo Riel Wa Riel Vague Riel Romain et on dit Avni Christophe Zone Lota Jérémy Zone Titus Edmond Paul Edmond Miller, Zone Sayo. Et bien, toute Zone Sayo, que bandi yo prend plaisir yo, rentre en da kay moun yo, vole sa fe moun yo. Et en pile moun ki rete a fe résistance, kap vive nan Zone Sayo, et bien, yo lance cri d'alerte, nan zorey autorité yo, pour que yo capable aider au faire face avec situation bandi cap déchirer les affaires et c'est dans sens ça OK c'est dans sens ça nous joindre que nous apprendre que mardi 3 septembre 2024 là que tu as plusieurs unités en dans la police là yo te mettez pied à terre dans ensemble des riques sont cité là yo. Yo mette pied ou à terre dans ensemble de zones que me sont cité là yo et yo commencé à gérer situation et que plusieurs bandits plusieurs dans jeunes garçons terroristes bandits criminels ça yo que nous apprendre nèg yo joine qui chan nan yo matin mardi 3 septembre nan dans zone bape de choses. Ah oui. Et la police pour commencer opération en bas non? Non. La police pour commencer opération en bas non? Comme dit nous ça clair. OK? Yeah. La police pour commencer vraiment opération dans niveau en dit bicentenaire là. Pas les 10 villages dans niveau bicentenaire là. La police, pourquoi commencer l'opération en bas? Non. Yo. Non. OK? 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 Ça veut dire, ça que nous, que nous remarquons, et yo tande mardi 3 septembre dans zone sa ba peu chose là et poko opération ça est peut-être intervention on ça que n'a regardé n'a pas de matin, hein? Il n'y a pas de coopération force de l'ordre commencer.
comme population t'a lancé une alerte. OK. Il t'a lancé une alerte. Eh bien à travers alerte ça. À travers alerte ça. Yo décidé quand même à regarder comment on capable j'ai quelque bagaille. Ngobon. Mais bon gens opération commencer. Opération créée opération pour commencer. Mais qu'il a commencé non sous cette tunnel. Mais opération que moun attend pour libérer et route sud là.